Bienvenue au studio Rock Moderne. Finalement, j'emboîte le pas à cette vidéo sur un groupe fantastique, donc New Wave, que vous connaissez tous, ABC, les champions du violon, qui avaient relancé donc le violon à l'époque au Royaume-Uni. Et donc, puisqu'on est toujours dans l'année 82, également Funboy 3 vient de ressortir des originaux du début des années 80, 82, 83, que ce soit en CD et aussi en vinyle. Voilà les deux premiers albums. Également, vous avez beaucoup d'autres originaux qui ont été repressés, que je vais vous montrer, faire les découvrir. Et puis aussi des originaux qui viennent tout droit de mon disquaire préféré américain que je pratique depuis longtemps. Alors, moi, tout d'abord, je vais commencer par ces deux CD. Alors, pourquoi deux CD? Alors, j'ai les albums, j'ai les originaux, parce qu'ils ont toutes les versions maxi à l'intérieur et que c'est le label qui presse qui represse Oingo Boingo, qui a sorti non pas en vinyle mais en CD, ces deux CD, donc justement. Du groupe new-yorkais Slow Children avec le fameux tube Spring in Fialta, et également il y a aussi President I Am. On a pas mal de choses aussi. On a donc Vanessa Vacillating et Unplugging the Vacuum. Voilà, vous avez donc assez rare. Moi, je les ai eus sur l'Allemagne pour éviter les frais de port et les frais de douane qui sont assez chers aux États-Unis. Ils sont toujours dispo sur le site. C'est Rebellion Remasters Amérique. Vous pouvez les commander directement. Moi, j'ai eu de la chance. Ils étaient dispo chez un disquaire allemand où ils n'étaient pas chers. Il n'y avait pas de frais de port. Ils étaient neufs, évidemment, scellés. Voilà. Et donc, vous avez leur premier album de 1981, et donc qui s'appelait Slow Children, album éponyme, avec tous ses titres, vous vous rendez compte. Et vous avez aussi l'album Made About Town, avec Spring Fialta dedans, qui a été rajouté parce que ce super maxi n'était pas dans l'album à l'origine. Voilà. Alors ça se présente comme ceci. Ça reprend les pochettes de l'album, vous voyez. Je vais peut-être pas tout vous montrer, le livret, etc. Donc c'est des CD vraiment précieux et qui vont être assez rares parce que j'ai vu que sur Missing Persons ou d'autres groupes, ils sont sold out assez rapidement. Donc vous avez les lyrics dedans, les chansons aussi. Oh, c'est vraiment une très très belle facture, oui, vraiment très beau. Et là, je vais vous sortir le. Ça, c'était l'album de pochette américaine qui était sorti en 1980. Et après, ils avaient ressorti en modifiant un petit peu les titres, modifiant certains titres. Ils avaient ressorti cet album en 1981. Et c'était sorti en France. Et je l'avais acheté à l'époque. J'avais découvert le groupe avec cet album. Voilà. Donc, je vous les conseille en CD. Voilà. Et à mon avis, ce sont des raretés. Par la suite. Ensuite, on a la complète edition, donc avec 80, presque une centaine de morceaux, donc compilés et un DVD avec les deux albums Funboy 3 et Waiting. Donc l'album Eponine et Waiting, donc de 82 et de 83, deux excellents albums, vraiment incontournables, avec Bananarama dessus sur certains titres. Et vous avez tout. Alors là, par contre, vous avez toutes les versions, les démos, les lives, les maxi. Parce qu'en face B, il n'y a pas toutes les versions face B dans les compiles que je peux avoir ou dans les albums avec les bonus, parce qu'ils étaient trop longs. Là, il y a tout, 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 tout. Je ne vais pas écouter. Je vous ai laissé la primeur de l'unboxing. De l'unboxing. Voilà. Ai montré le sticker, bien sûr, je vous le remontre si vous voulez. Voilà, donc, oh, pardon, je l'ai montré à l'envers. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Sinon, vous pouvez retourner l'image, mais bon, voilà, ça c'est un peu mieux. Donc, très, 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 très belle, très, très belle, qui est déjà pas si facile que ça à avoir. Hein. On le trouve, mais enfin, c'est plus ou moins sold out un peu. On peut l'avoir sur l'Angleterre. Voilà. Moi, je l'ai eu assez facilement parce que c'était des pré-orders. J'avais peur de ne pas les avoir. Voilà. Alors, David Byrne de Talking Heads a produit le deuxième
album. Et pourtant, c'était bien son style sur le premier. Alors, je ne sais pas si, s'il n'avait pas mis son grain de sel sur le premier. Alors là, on voit aussi les Bananarama. Voilà, à l'époque, ils étaient ensemble. Alors, je ne sais pas s'ils ont repris le single avec les Fun Street Bananarama, She's Really Saying Something. Oui, ça y est, ça. Donc, il y a des titres hors album comme Really Saying Something. Évidemment, il y a tout. En fait, il y a toute la discographie des Fun Street. Donc, même avec les Bananarama, même postérieur à cet album. Donc, évidemment, à 1982. Voilà, on peut sortir un CD pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, chez Chrysalis à l'époque, filiale d'RCA. Voilà. Si je ne m'abuse. Alors, on va les ouvrir. Je ne les ai pas encore écoutés. Je les connais par cœur pour avoir plusieurs CD avec des bonus. L'OG anglais, le pressage américain, le pressage japonais. J'ai tout tellement que c'est bon. Alors, très avant-gardiste hein, pour l'époque. Il y avait un petit peu de rap dedans. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très bon. À l'époque, ça tranchait vraiment avec tout ce qui était sorti avant. Ça se rapproche un peu des Talking Heads, moi je dirais. Voilà. Avec les singles, évidemment, donc The Lunatics, mais surtout Taint What You Do, It's the Way That You Do It. Je crois que c'est une reprise de l'orchestre plus splendide. Et donc avec les Bananarama, bon, il y a aussi The Telephone Always Rings. Voilà. Et puis The Lunatics. Maxi hyper difficile à avoir que j'avais acheté évidemment. Voilà, en Angleterre, peut-être à l'époque. Voilà, mais qui était difficile à avoir puisque c'est pas une version remixée. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il y avait des maxi, des versions maxi en face B. Voilà, des inédits. Voilà, très 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 beau macaron. Pas du tout comme l'original, mais de 180 grammes. Et c'est évidemment, je crois, Chrysalis, mais c'est pas BMG qui représente ça. Chrysalis, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Alors, Chrysalis à l'époque, je sais pas. Je vais regarder. Je vais vous dire donc vraiment. Alors, celui-ci était sold out un certain temps. Ah, c'est pas marrant. Hein. C'est pas marrant de se procurer les disques. Hein, je vous dis, voilà. Bon, Chrysalis, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, très, très bon. Alors, Waiting, évidemment, de 1983, un an après, c'est peut-être le meilleur, un petit peu jazzy, avec des reprises jazzy, d'ailleurs, il y a la fameuse reprise de Murder, She Said, je crois, She Said, et avec les singles, The More I See, The Less I Believe, The Tunnel of Love, et on a aussi la reprise de Summertime sur la version japonaise, qui était un single, qui était sorti par les Funboy Three en 1982 et T 82 entre les deux albums. Voilà. En quitting. Donc, alors si j'ai pris la compile CD, vous pouvez vous imaginer que c'est du bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés, les oreilles fermées. Vous pouvez... voilà. Et après, évidemment. Alors Blue Vinyl, translucide, quitting, évidemment. Je suis bien content de les avoir. J'espère que les pressages, enfin normalement c'est quand même des majeurs, seront bons. Alors donc je vous avais parlé dans la précédente vidéo de ce remix qui est vraiment extraordinaire. Le son est cristallin, spatialisé, vraiment été remixé. En fait les pistes ont été numérisées et remasterisées en 2018. Et après il y a eu un remix qui a été fait, pardon, ça s'était collé. Un remix qui a été fait donc en 2022, en 2018 aussi, mais qui est sorti en 2022 en vinyle, après être sorti en CD. Et ce remix est vraiment très très bon. Évidemment, ça renforce un peu les basses, tout ça, ça différencie ça spatialise les instruments. On a l'impression qu'ils sont très très séparés, la guitare, les basses, tout ça, même les synthés. Tout s'entend très très bien. Alors ensuite, on a Pigs on the Wing 1 et Pigs voilà, sur les deux faces différentes. Deux faces, et on regrette qu'il n'ait pas sorti un tube à l'époque avec les deux morceaux. Mais bon, ça, c'est ce que les fans regrettent le plus souvent. Alors, je n'avais pas logé. Je connaissais bien sûr la pochette qui est en couleur. Là, vous avez pochette en noir et blanc. Mais c'est exactement les mêmes morceaux. Hein. On a les mêmes morceaux avec toujours... David Gilmour et Roger Waters, hein, bien sûr.
Ils n'étaient pas séparés encore, bien sûr. Au contraire, c'est encore. C'est peut-être, selon certains, des meilleurs albums de des Pink Floyd. Bon, il y a Wish You Were Here et The Dark Side. Mais certains. Voilà, la pochette originale. Mais certains trouvent qu'il s'agit. Bon, après, ce sont des photos en noir et blanc. Alors, je l'ai pris parce qu'il était à 20 euros au lieu de 30. Voilà, donc on a pas mal de choses. C'est un livret qui est voilà, très joli. Voilà, c'est assez joli. Je vous le conseille si vous le trouvez à 20 euros. Prenez-le parce que le pressage est vraiment fantastique. Fantastique. Il n'y a pas de bruit de surface, rien. Et je vous dis, le son est très très bon. Ce remix est très bien. Alors, évidemment, par rapport aux 8 pistes de l'enregistrement initial, il est certain que ça doit être beaucoup plus sourd, un bruit beaucoup plus sourd à l'original. Hein, voilà, bien sûr, il y a moins de spatialisation du son. Ça, c'est sûr et certain. Là, il s'agit d'un son très actuel, hein, très actualisé. Alors, plus on avance dans le temps, plus on se sépare, plus on s'éloigne donc de la qualité de l'enregistrement original et puis du son original. Hein, ça, c'est certain. Donc 180 grammes, hyper bien pressé. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs, je l'ai écouté puisque j'ai rajouté une pochette anti-statique. Donc qu'on ne dise pas que j'écoute pas les vinyles. Alors ensuite, bon, ça c'est vrai que je ne les ai pas écoutés entièrement. Entièrement, j'ai juste, voilà, du moment qu'ils ont été ouverts. Donc ces deux rééditions de Strokes, je vous en avais présenté deux autres. Il s'agit, je pense, du deuxième et troisième album du groupe Strokes. Le premier, il me manque le premier. Il est réédité aux États-Unis. J'attends la réédition en Europe pour pas payer les frais de port. Alors on a Limited Edition Purple Vinyl Undercover of Darkness. Alors dedans, il y a You're So Right, Taken for a Fool, Life is Simple in the Moonlight, mais il y a d'autres titres. Tout est excellent, on est dans la meilleure période du groupe, comme les deux albums encore que je vous ai montrés, et dont je vous avais fait écouter des extraits, me semble-t-il, on n'a pas trop le temps. Donc voilà, donc je vous montre bien le sticker pour les puristes. Il s'agit d'un gatefold, voilà. Et l'album avait été pressé. Il est marqué 2011. Voilà, on devrait être. C'est possible que ce soit 2011. Voilà, celui-ci est 2011. Je le voyais un petit peu. Bon, sans, bon, pas très, très. Enfin, je voyais un petit peu plus tôt, mais c'est possible. 2011. Voilà, ça fait déjà 12 ans aussi. Hein. Le temps passe vite, c'est vrai. Voilà, chez Sony Music, RCA. Ce sont les rééditions, je pense, de BMG, ça, d'important, dans Sony Music. Voilà. Donc je vous montre les titres, tout est excellent, excellent, excellent. Et en plus dans des pochettes anti-statiques. Ensuite une édition limitée, voilà, c'est celui-ci qui est 2013. Voilà, 2013, voilà. On n'est plus dans les débuts des années 2000, on est donc dans les années 2011 et 2013, voilà. Mais c'est encore une bonne période, limited edition, yellow and red marble vinyl. Avec les morceaux All the Time and One Way Trigger 2011-2013. J'étais persuadé que c'était un petit peu antérieur. Voilà, c'était plutôt entre 2000-2010, mais non. Non, non, là, je me suis trompé. Voilà, donc on a tous ces morceaux. Oh, ça vient de sortir. Hein. Voilà, excellent. Heureusement qu'il y a les années avec cette pochette RCA qui est super. Et un vinyle jaune. C'est pour ça que je les ai pris. Parce que j'avais rien de The Strokes. Voilà. Donc, avec les albums Angles et celui-ci, donc Angles et Come Down Machine, donc Angles, j'ai oublié de dire le nom, Angles ici et Come Down Machine. Je vérifierai quand même les années de sortie. Alors, qu'est-ce qui a marqué? 39 minutes. Bon, c'est tout. Alors, ensuite, puisqu'on est dans le. Voilà, puisqu'on est toujours dans les nouveautés. Alors, Mylène Farmer, j'ai mis un mois pour l'avoir, celui-ci, l'emprise. Alors, c'est le quatrième titre de l'album, du dernier album de Mylène Farmer, l'emprise. Et c'est vrai que les quatre maxi, avec à peu près quatre remixes par maxi, ça a fait 4 fois 4, 16. Il y a 5 remixes avec des versions dub, instrumentales et remixées. Là, il s'agit de remix par TEPR, LD
Et Fragrance, qui est connu pour le dernier que je connais bien. Fragrance, des remixes électro. Et c'est vrai que ces quatre maxi vont avec l'album parce que ça a donné vraiment du peps à cet album qui était un petit peu. Qui s'endormait un petit peu dessus, qui manquait un peu de punch. Et c'est vrai que ces remixes, ces quatre maxi ont donné du punch, ont donné du corps à cet album. Voilà, je trouve que je préfère à la limite les quatre maxi que l'album. Voilà, et on a évidemment une édition rouge 180 grammes. Alors, c'est pas Universal, qui c'est qui presse ça maintenant? Alors, c'est Mylène Farmer. Je l'ai. Self, donc c'est SPPF Records, voilà, puisqu'ils avaient quitté Universal, je crois. Elle avait quitté Universal, me semble-t-il. À vérifier, voilà, vous me précisez un petit peu. Ensuite, évidemment, alors Prince, c'est 88, ça. Oui, c'est ça, 88, très très bon album. Alors je cache un peu parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit encore censuré. Voilà, donc avec les titres Alphabet Street, ST, je pense que c'est Street, et Glam Slam, vous me direz. Alors attendez, parce que je l'ai bien écouté, voilà, Private Street, etc. Pourquoi ils mettent Love Sexy Was a Mind Trip, Like a Psychedelic Movie. Bon, c'est un petit peu le. Voilà. On a les titres. Alors, très. Moi, je trouve très, très avant-gardiste pour l'époque. Hein, à contre-courant de tout ce qui était électro, dance et tout ça. Et même grunge, c'est vraiment. C'est très recherché, c'est très avant-gardiste, c'est très travaillé. C'est légèrement jazzy, c'est un petit peu. Il y a un petit peu de soul, c'est funk, c'est pop, il y a un mélange, il y a une fusion des genres, mais c'est très très bon. C'est pas du tout commercial, je trouve. C'est étonnant, il a eu énormément de succès. Ils ont mis la sous-pochette à l'extérieur pour éviter les éclatements. Et on a un 180 grammes, pas du tout violet, mais comme ceci. Donc chez. Alors c'était qui faisait ça à l'époque? C'est par Sony Music et Warner. C'est encore chez Warner, c'est bizarre. Oh, sans doute. Voilà, donc très 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 bon disque, excellent, mais faut écouter plusieurs fois, difficile morceau, voilà, c'est pas du commercial du tout, du tout. Ensuite, dernier dispo sur la Fnac et chez Disquaire en ligne, hein, l'album de Giorgio Moroder, donc Limited Edition Blue Vinyl de 2016, l'album de 1977, donc From Here to Eternity. Voilà, c'est ça, c'était le titre avec donc tous ces titres qui sont excellents, excellents tous, avec le single évidemment From Here to Eternity, yeah, Faster Than the Speed of Love. C'est lui qui avait lancé le Disco High Energy, type Patrick Collet, avec Patrick Collet et aussi Bobby Orlando. Donc il était allemand, mais il a beaucoup travaillé aussi, il était du Tyrol d'origine, mais. Peut-être qu'il a la double nationalité américaine, je ne sais pas. Il a très enregistré. Voilà, vous avez tous les crédits ici. Donc, très bon, très beau. Je n'avais pas logé, en les comptes. Alors, malheureusement, bon, il y a eu des petits éclatements. Toujours pareil, la pochette est très fine et dans les transports. Et comme c'était le dernier, de toute façon, alors j'ai mis une sous-pochette à l'intérieur, une petite sous-pochette qui rentre. Celles-ci sont très bien antistatiques. J'ai écouté ce disque qui est fabuleux, vraiment, tout à fait ma tasse de thé. Très électronique, ça annonce un petit peu la new wave électronique, un petit peu, voilà. Voilà, donc sous le titre Giorgio, voilà. Alors il est enregistré sur Discogs, Giorgio Moroder, mais là il sortait les disques sous le nom de Giorgio parce que depuis les années 60-70, il sortait donc des disques et des BO au nom de Giorgio Moroder. Et là, depuis quelque temps, donc il les sortait sous le nom Giorgio. Voilà, donc il faut chercher un peu aux deux. Hein. Voilà, c'est Giorgio. Je vous remontre là. Très très jolie pochette, futuriste, très électronique. Alors, puisqu'on est dans l'électronique, fin 2022, ils ont réédité. Parce que ça n'avait pas été réédité depuis 2020 ou 2000,
2017, je ne sais plus. C'est la réédition de 1975, le fac-similé, qui avait été réédité aux États-Unis en 1993, et donc qui a été réédité au moins trois fois depuis, avec la pochette. Moi, j'y tenais d'avoir la pochette originale, donc Kraftwerk Radioactivity, avec des morceaux en allemand, puisque, et en anglais aussi, en titre en anglais, puisque c'était le maxi américain, c'est un pressage américain, même des rééditions américaines. Donc on a eu en tout quatre pressages, en 93, je crois, un en 2000 vers 2013, par là, 17, 20 et 22 par là. Donc déjà sold out partout, évidemment tout le monde s'est précipité dessus. Moi je l'ai trouvé à ma Fnac et j'ai sauté dessus évidemment, pas sur Kraftwerk, mais sur ce disque, avec évidemment des pochettes. Vous voyez, j'ai même encore les étiquette de caisse, des coin arrondi, évidemment, très très bon pressage, c'est Capitole, voilà, coin arrondi. Donc quatrième, je pense, pressage américain depuis 1993, me semble-t-il. Donc c'était sorti en décembre 2022. D'ailleurs, l'étiquette de la FNAC, de ma FNAC, était donc du 7 mars 2022. C'était pas fin 2022, c'était, pardon, excusez-moi, fin 2021 que ça avait été réédité. Vous voyez, on fait des petites erreurs. Il faudrait que je prenne des notes en permanence, donc Kraftwerk. Ensuite, celui-ci, je l'avais déjà donc en original et puis en réédition avec le coffret, mais ma pochette était abîmée. Alors je l'ai repris. Voilà, je l'ai repris, pochette abîmée, puisque c'est du GZ Media qui fait ses pochettes avec du carton bouilli, alors très fragile évidemment. Alors, mais par contre, les pressages sont très bons. Alors, je vous invite à voir la vidéo donc, sur la présentation du coffret Footland de Sisters of Mercy que j'ai sous les yeux et qui était sorti en 1980, 1985, je crois, en gros. Voilà. Et donc, j'avais eu des problèmes de pochette. Alors, du coup, je l'ai pris. Il n'était pas cher du tout. C'était, je crois qu'il est encore dispo. On est à moins 20 €. Là encore, c'est des anciens prix. C'est sur la FNAC, je crois. On est sur d'anciens prix. Donc là, je vous les ai montrés. Je vous remontre encore, peut-être plus près, les chansons Footland. Vraiment très, très bon disque. Je crois que c'était sorti. Il faut que je regarde quand même. Est-ce qu'il y a l'année là? 87. Non, c'est bizarre ça. WEA 1987. Oh, je suis sûr que c'était sorti un petit peu. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Oui. Vous voyez, je fais des. Oh là là, je fais des erreurs. Hein. Ouais. Non, non, c'était l'album avant, oui, évidemment, de 85. Là, on est effectivement avec This Corrosion. Ensuite, Lucrecia. Voilà, c'est ça. Lucrecia et This Corrosion. Voilà. Donc on a ces titres. L'album est bien de 87 après l'album de 85. Voilà. Je me resitue. Vous voyez, je devrais prendre des notes. C'est-à-dire, ça commence à dater tout ça. Hein. Alors 180 grammes, c'est vrai que c'est très 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 bien pressé. Hein. Alors qui c'est qui fait ça? Bon, c'est du GZ Media, peu importe. De toute façon, c'est du GZ Media. Hein. Voilà. Donc, faut pas demander. Mais parfois, c'est bien pressé. Voilà. Oui, alors ensuite, je vais vous montrer. Donc, voilà, ici, voilà, la fête. Donc, je vais vous montrer. Oh là là là, je crois que je n'avais pas sorti l'original. Il est là. Je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu étonnant. Voilà, je l'ai là. Ici. Voilà. On est là. Il y a tellement de Dépêche Mode, vous avez sans doute deviné. Voilà. Donc c'est un youtubeur qui m'a un petit peu informé de cet état de choses, de cette rareté. Et c'est ça qui a motivé un petit peu ma commande chez Greg Maurer. Vous le retrouverez sur Discogs à Records by Mail. Mais je vous invite à commander directement sur son site. Vous ne payez pas de droits de douane parce qu'il marque tout en used CD et puis vous sous-déclare. Enfin bon, c'était des trucs. J'ai rarement payé de douane avec eux. Ils sont à Portland, donc dans l'Oregon. United States, évidemment. Donc, Greg Maurer, je vous montre un petit peu. Alors, pourquoi, vous allez me dire pourquoi. Alors là, j'ai les prix, d'ailleurs. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous pourrez remarquer les prix. Vous pourrez les relever.
Voilà. Obligé de tout cacher en soirée, on croirait Sherlock Holmes. Voilà, donc on a tout ça. Et voilà, ici. Alors, voilà ce que voilà, voici ma commande que j'ai fait chez eux. Alors, il y a le Positive Touch d'Undertones. Vous voyez, vous avez les prix ici. Donc, $25, mais il est scellé. Pressage américain de 1981, scellé. Vous avez un promotionnel du maxi de Bell Stars avec Sign of the Times de 83 qui était neuf à $6. Et vous avez le fameux Depeche Mode version allemande que je n'avais pas, ni en anglais ni en allemand. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà la petite histoire. Donc, que j'ai payé $25, qui n'est pas cher du tout, il est neuf. Pas cher du tout parce qu'il vaut dans les 40, 50 et 9, c'est beaucoup plus. Il y a le Yellow, She's Got a Gun, vous voyez que j'ai payé $15, qui est neuf aussi. Il est marqué VG+, mais en fait, il est neuf, avec un inédit très intéressant que je n'avais pas. Et le Wow de Who Are You, que je n'avais pas, qui est scellé, que j'ai payé $35, mais qui est scellé neuf. Donc, c'est un disquaire qui s'est spécialisé dans les disques de collection. Alors, d'abord, je vais vous montrer Depeche Mode, pourquoi. Alors, ça, c'est mon original à moi. Et il y a un YouTuber qui m'a dit, mais vous avez un original très rare que j'avais acheté sur le site de Mute Records il y a 25 ans. Et ce sont les derniers pressages des années 80, je crois, 88, où ils ont édité la photo à l'envers. Voici, ça, c'est l'original qui vient de chez Craig Maurer aux États-Unis. C'est la pochette allemande, mais la pochette anglaise est pareille. Donc ça, ce sont les premiers pressages. Et là, vous avez en fait la reverse, enfin la pochette à l'envers, qui est très très rare, paraît-il. C'est plusieurs centaines d'euros. En plus, il est neuf, celui-ci que j'ai. Je vais vous le remontrer. Je vous invite à revoir ma vidéo discographique de Depeche Mode. C'est See You, Extended Version de Depeche Mode, le single sorti en janvier 1982. Donc chez Mute, le 18e disque de chez Mute. Et vous voyez, la pochette intérieure était assez récente quand même. Et j'avais mis tout dans une pochette antistatique. Vous voyez, mon disque est neuf. Je l'ai dû l'écouter une fois. C'est même pas sûr, parce que j'ai tout en CD et tout ça. Donc c'est pas sûr. Donc j'avais le maxi pressage français à l'époque, mais je n'avais pas le maxi pressage anglais. C'est pour ça que je l'avais acheté sur le site Mute, qui distribuait, qui liquidait les références de la fin des années 80, notamment de Depeche Mode. Donc celui-ci, modèle inversé, va-t-on dire. Et voici le modèle, alors allemand, le modèle anglais est comme ceci, modèle allemand, avec la photo dans l'autre sens. Là, il s'agit d'un disque que j'ai payé $25, mais German Import, vous voyez, qui était neuf. Qui est neuf, je ne l'ai pas du tout nettoyé. Je ne l'ai pas du tout nettoyé. Voilà, il est pressé, il est entièrement neuf. Donc, pour $25, c'était vraiment donné. Parce qu'aller voir les prix d'un neuf, ça sera plusieurs centaines d'euros. Je me suis aperçu que le Depeche Mode avait flambé et que je n'avais pas cet original. Il me le fallait. Alors, du coup, comme quand vous faites une commande, bah, les frais de port ne bougent pas. Vous payez combien ils m'ont compté là de frais de port. J'espère qu'ils y sont. Je sais pas, c'est pas sûr du tout. Non, ça y est pas du tout. Oui, 40 quand même, $40. Donc, que vous en commandiez 1 ou 10 ou 5, c'est pratiquement, vous démarrez à 20 et puis vous allez jusqu'à 60. Donc là, je suis à 40. Donc j'en ai profité, c'est déjà pas mal. Si on rajoute ça, mais vous n'avez pas droit de douane. Alors ensuite, ben, puisque je vous avais montré le maxi des Bell Stars de 1983, janvier 83, Sign of the Time. Alors ça devait être un vieux stockage parce que leur prix a augmenté. Et vous avez donc une pochette de Warner qui distribue ça. C'était Stiff Records. Donc là, je ne les ai pas nettoyés parce que vraiment, ils vous vendent des disques de collection. Vraiment des disques de collection. Il y avait des disques scellés de Yellow à €100. Après, c'est trop cher. Il y avait un de €75 de Fat Gadget, tout ça. Après, c'est trop cher. Entre parenthèses, ils viennent de rééditer le best-of de Frank Tovey, Fat Gadget, chez Mute à €35. Précipitez-vous dessus avant qu'il coûte €100 parce qu'il risque d'être sold out, comme d'habitude, assez rapidement. Donc Bell Star, vous voyez, c'était vraiment un disque qui était neuf. Chez Warner, chez Steve, moi, je vous avais présenté déjà dans ma vidéo discographique des Bell Stars, l'exemplaire donc de Steve Records, anglais. She's Got a Gun Yellow, vous voyez, il est marqué en VG+, mais en fait, il est neuf. Il est neuf avec une pochette intérieure
Voilà. Donc je vais même pas les nettoyer. She's Got a Gun, la version de l'album, mais c'est surtout on a The Evening's Young, bon, très bonne version aussi, mais c'est la version de l'album. Et on a un inédit, There Is No Reason, que l'on trouve en vinyle que sur ce maxi, et non pas sur les albums, non pas sur d'autres vinyles ni compilations, mais uniquement en CD, et qui est excellent, excellent, excellent. Très avant-gardiste ce morceau, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. There is no reason, donc c'est pour cette raison que j'ai acheté There is no reason. Voilà, je ne fais pas de jeu de mots avec. Alors, je ne sais pas s'ils avaient. Pourquoi ils m'ont mis une sous-pochette américaine. Est-ce qu'il était directement dans la pochette? Je ne sais pas. Voilà. Donc, Do It Records, à l'époque, c'était. C'était Cherry Records. Ce n'était pas leur label, phonogramme. Phonographe. Phonogramme, pardon. Polygramme. Donc, ils avaient dû sortir les maxi. Peut-être qu'en Angleterre, l'album Claro Que Si, deuxième album du groupe Yellow, groupe suisse évidemment. Inutile de vous le présenter, comme Ben Star, c'est groupe anglais. Bon, je ne vais pas vous raconter 10 fois les choses. Peut-être c'est Do It Records qui pressait en Angleterre. C'est. C'est l'album du groupe. Alors l'Undertones, alors il est scellé, je ne vais pas le déceller parce que j'ai deux CD avec les bonus, j'ai l'original français, donc je le garde scellé, voilà, c'est une pièce de collection, ils l'ont vendu $25, j'ai vu qu'ils ne s'en vendent jamais déceller. Bon, c'était vraiment bradé par rapport à la qualité de cet album. Vous avez Fascination, Julie Ocean single, Life is Too Easy single, Crisis of Mind single, You're Welcome, Is a Good Looking Girlfriend single, The Positive Touch single, When the Saturday Comes single, Is Going to Happen single, Sight and Exploit, I Don't Know, An Adult single, Boy Wonder, Forever Paradise. Vous avez un titre sur deux, c'est un single, soit en face B de single ou en face A, avec des versions différentes sur la version bonus CD ou sur la version. Sur les versions des 45 tours. Voilà, donc pressé chez A-West aux États-Unis et c'était. Maintenant, qui c'était en Angleterre? Oh là, je ne sais plus. C'est idiot, c'était Ardec. Voilà, The Undertones avec Fergal Sharkey, le chanteur évidemment, groupe punk, post-punk et très new wave. Un disque excellent à avoir, je t'ai lancé de n'importe quoi, achetez-le, je vous en supplie, ne regardez plus ma chaîne si vous n'avez pas écouté ou acheté ce disque, parce que vraiment c'est un des fondements de la New Wave, et puis vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous avez 14 titres, 7 titres par face, tout est excellent, 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 excellent. C'est vraiment, pour moi, le meilleur. Selon les fans, ils préfèrent les albums antérieurs. Moi, c'est mon préféré, suite 81. Vraiment, fabuleux. Et ensuite, je n'avais pas logé. Là, c'est pareil, scellé. Je vais le laisser scellé, puisque je l'ai en CD, ça, en numérique, je ne sais plus. Avec, évidemment, Who Are You? Dites-moi qui vous êtes. Voilà, Who Are You? Et là, on a Self for Protection. Voilà, donc il était à $14. Et après ils l'ont monté, ils ont doublé leur prix avec Craig Moore, multiplié par 3, et ils ont affiné, ils sont spécialisés dans les disques de collection. Si vous cherchez des disques de collection, allez chez eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je me suis un peu, je m'excuse pour les Strokes, là c'était 2011-2013, je vais quand même vérifier, parce que je ne voudrais pas que ce soit le CD ou un remaster, mais je pense qu'effectivement, ce sont les albums pile avant qu'ils arrêtent, ce sont les deux derniers albums des Strokes, avant qu'ils arrêtent, qu'ils reprennent après. Mais enfin, ça a toujours été bon quand même. Je préfère peut-être les premiers, mais ceux-ci sont bons encore quand même. C'est quand même un bon groupe que j'ai découvert sur le tard. Hein. Je sais pas ce que. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez des Strokes, si vous avez, si vous écoutez. Moi, je trouve que c'est bon, c'est excellent. Hein. Enfin, j'ai bien aimé, évidemment, vous me direz. Ils sont de notoriété publique, hein. Ils sont très connus. Voilà, bah écoutez, j'ai fait 35 minutes, hein, je me suis un peu dépêché, il ne me reste plus que pour les bandes originales, mais j'attends encore trois disques de Mondo, pour vous les présenter, donc il y aura ceci, 1, 2, 3, 4
et 5. Et 5, on va le remettre ici. Et 5 plus les 3, 5, 6, 7, 8. Donc il y aura 8 BO à vous présenter. Voilà, avec évidemment, je suis allé voir au cinéma avec mes enfants, Barbie, vous voyez, qui est pas mal. Hein, bon. Au cinéma, ça doit mieux passer que sur en streaming, sur ordinateur, voilà, ou sur la télé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous conseille les Strokes, je vous conseille le Pink Floyd, je vous conseille évidemment les Fun Boys 3, oh là là, acheter l'album Waiting, là aussi c'est des albums, surtout le deuxième, le second je dirais, Waiting de Fun Boys 3, achetez la compil CD si vous voulez, vous avez tout, tout l'intégrale, c'est fantastique, avec des lives de tout dessus, et voilà, un petit peu en résumé. Ce qui avait vraiment de très intéressant. Et puis l'Undertone, ça, voilà, promettez-moi de l'écouter. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires donc, ce que vous pensez de cet album d'Undertones que j'ai trouvé miraculeusement encore scellé et que ça faisait 40 ans que je cherchais avec une pochette embossée, quoi, voilà, qui est en relief. Voilà. Une pochette, voilà. Avec un petit peu jauni, mais il est scellé encore. Avec le risque qu'on peut toujours avoir un disque voilé quand il est scellé, parce que comme il est scellé, ça le rétrécit un petit peu à la longue. Il a tendance à rétrécir, donc la pochette peut forcer comme ça. Et souvent, les disques sont voilés. Mais enfin, bon, écoutez, moi, je vais le laisser sceller pour l'instant. Écoutez ça, sinon je ne vous parle plus. Allez, salut, bonnes vacances, à bientôt.